bricoleur. Pense que je vais tout prendre. 19 kilos pour les reportages, vraiment quoi. De toute façon, ça je prends. Ah, si. Ça pareil, je prends. Ok, y a un autre territoire mule à traverser. Ça fait que 3 kilos. Non, bah, je vais y prendre, je verrai ce que j'en ferai. Excellent travail, Sam. Vous avez converti 3 stations à notre cause. Les preppers sont bien connectés et le réseau chiral fonctionne mieux que jamais. Notre prochaine station sera un centre de distrib régional. Mais on en reparlera plus tard. Vous avez une mission prioritaire à effectuer. Une bavure à rattraper. La ville relais du lac nous a confié l'un de ses serveurs. Il faut que vous le récupériez. Il l'avait envoyé à réparer, mais au retour, des mules ont attaqué notre porteur. Sur ce serveur se trouvent des données de validation pour notre futur système de livraison. Une fois en place, il exploitera le réseau chiral pour automatiser les livraisons. Pour nous, il est vital. Mais pour les mules, ça pourrait aussi bien être un grille-pain. Grille-pain qu'elle mettrait en pièces pour récupérer les cristaux chiro et les métaux rares qu'il contient. Si on n'agit pas rapidement, le risque, c'est qu'on perde les données. Alors rejoignez vite le site de déchargement des mules, reprenez le serveur et ramenez-le à la ville relais du lac. Je vais créer cette commande dans le système. Consultez vos menottes pour les détails. Mais il me dit ça quand je suis chargé à bloc. Qu'un milliard de conneries, quoi. Ouais. De toute façon, fallait que j'aille voir le bricoleur, donc. On va dire que tant qu'à faire. Et où? C'est là-bas? En mule au sud-est, oui, c'est ça. Bon bah c'est parti hein. Le mec il stream, oui le mec il stream. Exactement, quand Streamlabs ne plante pas et me fait pas chier, je stream. Pour parler poliment, il me tape sur le système le logiciel là, je sais pas ce qu'il a. Je crois qu'il y a un support pour Streamlabs, j'hésite à... J'hésite à écrire d'ailleurs pour leur demander s'ils ont une idée de pourquoi ça plante. Ah, tu l'aimes bien celui-là, hein? Sans douter, hein. Je trouve que Jean-Luc t'imite à la perfection, quoi. Ah, ça aussi, ça te fait rire, hein.
Il casse gueule son terrain à l'autre là. Moi je saute pas avec 100 kilos de... Allez, j'y retourne plus plus. Mes collègues aiment bien. On va pas sur Twitch sur son lieu de boulot. Ou ce pistolet hein. Il les range pas, il les optimise pas mieux, mais. C'est, ça monte le moins haut possible normalement pour que. Centre de gravité un peu mieux. Je suis équipé avec un milliard de trucs. Aller voir les mules dans cet état, c'est pas une bonne idée. Je sais pas comment faire. On a dit ce que je vais faire, c'est... En pause mec, oh, pas stylé. Et en pause de 8h à 18h, c'est ça? Ou pas, je pense pas. C'est improbable que ça tienne. Je vais essayer leur réorganisation automatique, mais. Je comprends pas pourquoi ça serait plus optimisé comme ça, mais. Elle est bizarre la réorganisation automatique. Ça plus aberrant, mais. Mais c'est du matériel pour l'ancien en fait. En train de voir, mais je remonte pas là-haut. Hein. Attends, parce que je récupère des trucs sans regarder, mais. Pile de relais du lac. Ça c'est pour l'ingénieur. Ça c'est pour le bricoleur. Ça c'est pour le bricoleur. Oh non, et stylo élégant. Et ben il aura pas de stylo élégant, et puis c'est tout. Hein. Ça c'est pour toi. Merci pour le coup de main. Il y a des mules partout ici. Alors, enfin, je fasse gaffe. Une excellente idée. Quelqu'un ait posé ça ici.
Voilà, on se débarrasse des ressources pour le moment, on les stocke temporairement ici. Essayer d'aller shooter 2-3 débiles qu'il y a là-bas. J'ai pas de marchandises sur moi, ils vont peut-être pas pouvoir me voir. Ils sont combien? Ah merde, ils partent. Bah, barrez-vous. Barrez-vous, barrez-vous. Un lance-bolas de... Oula, waouh, il y a pas mal de trucs. Il y a beaucoup de céramique. Un peu de résine. Ça... Ça pèse 72 kilos. Ah non mais je reviendrai plus tard. Hein. Voilà pour ça. Ils sont 4 par camion là ? Sur moins 5, 5 dans un camion. Et les camions, c'est vraiment la galère. Non, un paquet de conneries, hein. Oh, mais il y a des ressources à plus savoir quoi en foutre, quoi. J'essaie d'éliminer 2-3 avant que le camion revienne. Ça serait bien qu'on élimine 2-3. Idéalement, ça serait vraiment pas mal. Il a l'air vachement bien ce camion là. Éliminer les mules et puis prendre le camion. Charger un maximum de conneries. Je me demande s'ils sont pas à ma recherche là. Si si, ils sont à ma recherche. Ils sont clairement à ma recherche. Dodo. Et toi donc.
Mais ils se libèrent entre eux ou il a disparu l'autre là? Allez, fais dodo. Ah, mais j'arrive pas à l'avoir. Ça y est, je t'ai eu. Voilà. Il a roulé sur son pote, quoi. On a encore un qui se débat là-bas. Bon bah voilà. Bonne chose de faite quoi. J'ai gagné un camion dans l'histoire quoi. Ramener un énorme paquet de conneries. Passer un peu de trois conneries que j'ai vu. Hop. On va foutre tout ça en camion. Métaux et compagnie sur le véhicule. En plus un camion on va pouvoir mettre un paquet de trucs dessus. Hein. Des céramiques, des trucs comme ça. Prendre des trucs vachement lourds aussi, des trucs qui sont difficiles à trimballer quand on est à pied. Il y a une grosse caisse de céramique. Hop. Très grosse caisse de céramique. Ah. Même non, je pouvais pas sortir de la tente, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un gros paquet de trucs. Pareil, paquet de céramique. Le serveur, on va prendre le serveur d'abord.
Marchandises perdues. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je me suis planté comme un idiot. J'y vais comme un bourrin, forcément. Je sais pas pourquoi il les pose. Bon, c'est pas grave. On va prendre la tête. Ça. Véhicule. Je vais essayer de mettre les trucs vraiment lourds. Oh, quel idiot! Je sais pas ce que je fais. Oh, attends, c'est pas grave. Ça. Mon véhicule. Marchand. Non. Hop. Ouais, faut pas que j'oublie que j'ai des trucs importants de l'autre côté aussi. D'ailleurs, on va y aller même maintenant. Je pense, je sais pas quelle est la limite dans le véhicule. Bon, à mon avis, je peux en charger un paquet de trucs. Hein. Je récupère mon casier privé. Hop, casier privé, je récupère. Fort sympathique.
Ok, donc le camion est quand même plein, il y a une certaine limite quand même. Pas très grave, ça je peux le porter sur le dos. Je sais pas ce que j'ai demandé, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Bon. Je peux pas tricher comme ça. C'est pas grave. On va livrer quelques marchandises perdues. Tant que ça enlève, alors là. Il y a un truc de 36 kilos. Ça c'est bon. C'est un peu con. Je récupérerai que la moitié des récompenses, mais du moment j'ai trop de trucs. Donc... 36 kilos de vin, ça va le vieux quoi. J'ai livré beaucoup plus de commandes que ça là en fait. Ah mais j'ai livré toutes mes commandes. Ah mais je suis un idiot. Bah tant pis. Hop. C'est pas grave. Allez hop. De toute façon, le menu est fait hyper mal fait. Quelque chose me dit que j'ai encore trop de trucs sur moi, mais je comprends pas ce qui s'est passé en fait. Le menu est tellement mal fait, c'est une véritable catastrophe. Ah mais parce que le camion à côté ça devait... Le camion à côté devait compter en fait, non? Retourne-toi s'il te plaît. Ah. Est-ce que je peux poser des trucs? Non, pas plus que ça en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Je comprends rien du tout. Il fait des trucs alors que je lui demande. Je lui demande rien, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fout en fait? Oh, attends. Ça. Ça. Sur le véhicule. Le véhicule, il me semble qu'il voilà, y a x14. Donc là, le véhicule est plein. Normalement, je peux pas en mettre plus. Non, je voudrais juste monter dans le véhicule. Est-ce que c'est faisable? A priori, non. Donc, peut-être que je peux partager. 2-3 choses. Par exemple, j'ai 2 ancres d'escalade. Je pourrais éventuellement m'en séparer d'un. Les 3 échelles, je pourrais éventuellement m'en séparer d'un. Je crois que ça m'aide vraiment, mais... Je peux partager des métaux. Voilà, ça, si, de toute façon, autant que ça serve à quelqu'un plutôt qu'à moi, si je peux pas de toute façon les prendre. Là normalement je dois pouvoir débarquer ça. En fait c'est juste que le camion je connais pas sa limite de poids en fait. Juste ça quoi. Là apparemment je peux. Je sais pas pourquoi mais... Soit, c'est pas grave. Hop, parfait, logiquement je dois pouvoir utiliser le camion maintenant.
normalement, merci. Donc j'entends de l'orage. Récupérer ça. Mais où c'est qu'on voit la limite du camion en fait? C'est ça qui me chagrine. Il y a la limite de poids du camion quoi. Mais arrête, merci. Monte. Ouh, bah le camion, j'étais content de l'avoir, bah beaucoup moins maintenant. Bon allez, on décolle. C'est clairement en train de me taper sur le système, il est chiant à utiliser quoi. T'es dedans et tout, c'est une vraie galère. Alors réfléchissons. Je me demande s'il faudrait pas que je crée un pont. Il y a une route en face. Tant bien, il y a des matériaux partout, ça pourrait être l'occasion. Cela dit, je sais pas si je peux créer un pont jusque là-bas quoi. Ça paraît quand même vachement compliqué. Ah, et tu t'arrêtes deux secondes. Tente, ça va. Tacto seul insuffisant. Ouais, ça a quand même l'air d'être hyper galère. C'est pas trop où j'atterris, mais a priori ça pourrait faire l'affaire. Ok. Je trouve il est horrible mon pont. Oui mais c'est où que je vois les matériaux à donner? Moi ce que je veux c'est ça en fait. Ah métaux, 0 sur 800, ok. Je suis pas sûr d'avoir 800 métaux dans le coin hein. Je peux toujours fouiller mais... C'est con, je viens d'en donner 150 des métaux. Il y a des métaux là. Allez, avance.
Des métaux ici. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Ils ont beaucoup de céramique en fait. Beaucoup de céramique. Un peu de résine. Ils ont pas beaucoup de métaux. Hein. Oh génial. Là, il y a des métaux. Chargé. Ça fait 200. Encore 600. Non, tristesse, mais non. Un métaux. Ça dit j'ai fait un pont, mais ça se trouve je peux rouler dans l'eau avec ce truc là. Je sais rien en fait. Qu'il n'avait pas plu depuis un moment. Des métaux. Un petit peu. Un peu de métaux. Pas ouf. J'aurais absolument pas ce qu'il faut pour finir mon pont. Je me demande si je suis pas en train de faire un truc qui ne sert à rien. Donc si ça se trouve, je peux le traverser une peu roue. C'est suffisamment haut. Enfin, c'est suffisamment peu profond pour que je puisse traverser en roulant dedans. Je fais tout ça pour rien, je sais, mais bon. Structure démantelée. Franchement, tant pis. Je vais essayer de traverser la. J'aurais eu les métaux nécessaires, j'aurais tenté la construction du pont, mais là. Ah. C'est les métaux que j'ai sur moi qui cassent les pieds. Je peux plus maintenant. C'est quand même pas ça. C'est ridicule. Ok. Tiens, je peux sauter avec alors. Tenter, ça a pas l'air d'être très très profond.
je suis juste en train de vider la batterie en fait. Donc je trouve un endroit où traverser. C'est une vraie galère. Du coup celui-ci est bien placé. C'est juste plus trop où je suis mais il est bien placé. Non mais attends, je suis en train de faire n'importe quoi. Parce que là, j'ai aucun tracé vraiment connu qui pourrait m'aider, à ma connaissance. Et quelque chose m'a dit que ça va être merdique à souhait. Ça se trouve, je vais pas pouvoir passer la zone là parce qu'il n'y a pas de pont. Parce que là, je vois des échelles et tout, mais... Ça va être infect à traverser. Non, puis la zone là, elle semble bien merdique à traverser en camion. Non mais attends, mais je vais revenir. Je vais essayer d'aller là. Ça me semble plus sûr. J'ai déchargé un petit peu parce que là, je suis en train de... Je sais pas. Je suis pas sûr du tout de ce que je fais. Ça me semble pas très très safe. Là, il y a un petit cours d'eau à traverser, mais ça devrait aller. Là. Voilà. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Deux trois conneries à libérer ici. Livraison. Salut Sam, comment ça va? Bon, la marchandise est en très bon état.